Ah, mes viewers, bonjour, bienvenue pour le pour les suites, non, pour les suites, pour ce petite vidéo sur Kenshi. On va dire épisode 0. Une partie qui a déjà. Enfin, vous avez tout en rediff de live. Là, je vais continuer, je pense, en VOD. Donc. Un petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivi les lives. Je suis installé au hub. Donc j'ai une forge au hub. Une forge qui tourne plutôt bien. Enfin qui tourne au ralenti maintenant parce que j'ai pas de tissu. Un petit peu embêté avec ça, mais. On va se débrouiller. Là j'ai ma petite équipe de marchands ambulants. Je suis en train de vendre ma production de cuivre et de fer. Je veux pas trop accélérer le temps parce que, en fait, si j'accélère en x5, il n'y a plus que moi qui comprends ce que je fais en fait. Qui comprend. Il fait lui. Il est une machine, j'imagine. Alors. Hop. Ok, donc ces deux-là en fait, c'est des gardes. C'est des. Je me rappelle jamais du nom de leur race. Oh, il y a bagarre là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas encore comment on fait pour capturer les animaux. J'imagine que c'est possible, mais j'en suis pas sûr. Alors, E2, il mine. Ici, le taureau. Je sais pas si. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Je sais pas s'ils peuvent crever de vieillesse, mes animaux. Ça devrait bien se passer, hein. Les gars, ils commencent à savoir se battre. Allez, encombrement 5%, katana 14. Ouais, donc ils ont des katana sans garde. 0,90 de dégâts, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Et le taureau qui a décidé de venir se battre? Ouais, c'est cool. Alors, ok. Donc on reprend Kang, le taureau. Et nos bornes, et tac, on va se diriger vers la ville, on va aller vendre notre bordel. Donc là ça fait de la. Donc ici on produit quoi? On produit de la farine, on produit du blé, de la farine, des cactus et du chanvre. Et tout est transformé ici, donc le chanvre en tissu. Et tout ce qui est farine et cactus, en fait, ça se transforme en croque-poussière. Et je commence à avoir un petit stock de bouffe et ça, franchement, ça fait plaisir. Donc j'achète un petit peu de nourriture pour les gens qui restent au hub. Il y a Nini, enfin, Nini il reste bon, ici. C'est mon chercheur, Nini, mais c'est surtout mon éclaireur, mon coursier. Mon coureur des plaines, il fait penser à Subotai dans Conan. Il court tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors. Emprisonnement, ouais, je sais pas. J'ai l'impression que si je prends emprisonnement, je vais commencer à me foutre dans la merde moi-même. Boîte d'entraînement de crochetage 2. Donc Nini va falloir qu'il reparte en exploration parce qu'on a plus de parchemin de sagesse des anciens. Donc il faut qu'on aille explorer des ruines.
Faut que j'aille explorer des ruines pour trouver des parchemins. Tout simplement. Donc là, on va préparer un petit peu l'expédition, donc notamment, je vais essayer de lui monter un petit peu son projetage. Alors. Ah merde. Là, le problème, c'est que le marchand n'a pas encore refait son stock de. Son stock de thunes. Et la ville de Skin, elle a été ravagée par je sais pas quoi. Il n'y a personne dedans. Bon, on va attendre. On va attendre. Alors du coup, je vais retourner là. Je vais aller chercher le tissu. Mon chanvre, il en est où? 57%. Donc là, moi, je suis dans un environnement désertique. Hein, donc j'ai fait du chanvre. On est à 50-60% de rendement. Le blé, c'est pareil, 50-60%. Le cactus, on est à 100% par contre. D'accord. Alors. On va se faire attaquer par le royaume tchèque. Et. Alors, ça, c'est le pire en plus, c'est le Guénin du dragon noir. Les deux, c'est des attaques de ouf. Donc, pendant 2 jours et 3 heures, il faut qu'on ait vidé les lieux. Toute notre bouffe, on se tire au hub, on serre les fesses en attendant que ça passe. J'ai toujours pas la moelle pour m'en occuper. Ils sont extrêmement balèzes. Et on est reparti. Ok, bon, ça tourne vraiment. Ça tourne vraiment bien, c'est cool. J'ai déjà 26 plaques de métal. Ok. Bon, niveau exploration, je sais pas trop par où on va partir. On a un ancien outpost. C'est une ruine. Oh, elle est là. Je sais pas ce que c'est comme ruine. Je suis pas sûr que ce soit ça que. Ah oui, il y a le complexe d'atelier aussi. Je sais pas par quoi je vais commencer. On verra bien. Alors, Nini. Oh, il faut des charnières. Argent d'envol, charnière, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, j'en ai pas quoi. J'ai mis le contenu du coffre dans le taureau plutôt que le contraire.
Nawa va pouvoir retourner crafter. Ouais, mais alors du coup, attends, parce que je m'étais fait chier à... J'avais changé le katana, mais en fait ça sert à rien. On va repasser sur les katanas sans garde Katoon 1. Tu as combien de thunes là? 105 000. Bon, la thune c'est vraiment pas un problème. On va bientôt pouvoir racheter entièrement le hub et leur taper. Ok, bon, du coup, je vais sauvegarder. Alors, aux électriques, on va les donner au taureau. Voilà. Noyau d'énergie aussi. Je vais garder mes outils des fois qu'il y a besoin de crocheter. On va s'acheter à manger. Il n'y a pas un sac de couchage? Non, il n'y en a pas. Allez, c'est parti. Bon, et ce qui serait bien, c'est qu'on aille vendre nos armes. Alors, peut-être pas vers le nord, stack à la limite. Nation sacrée. Je vais éviter d'aller. Royaume chèque, allez. Je vais tenter d'aller commercer là-bas, c'est un peu loin, c'est dangereux. Plus tu t'éloignes, plus c'est chaud. Hein. Ma base s'appelle la Zizanie, hein, parce que c'est le bordel. Un peu triste, hein. Regardez mon forgeron, il est trop fort par rapport à ma forge, donc je peux pas crafter des trucs très intéressants. La qualité de mon matos est limitée par le matériel et pas par le bonhomme. Un peu dommage. Alors... On va suivre Nini. Okay. Ils vont où à Admag peut-être?
Il y a de la route, hein. Je suis vraiment pas persuadé que ce soit une bonne idée de me barrer aussi loin avec ma caravane. Ma caravane de deux, hein, je vous rappelle. On se fait attaquer par 30 mecs. Il y a de grandes chances qu'on soit. On tombe sur des gros packs de fourmis rouges, tiens. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est des ruines chèques. Ruines chèques, j'ai rien trouvé d'intéressant dedans. J'ose pas imaginer. Oh merde, la ferme ta gueule se fait attaquer. Ouh, 137 à l'arbalète. 133 à l'arbalète, oh la vache. Ah oui. Dommage, ils se sont fait attaquer là-haut. Ce qui serait bien, c'est que je puisse mettre Nini en pause, mais c'est pas possible. Donc là, Nini, il est au milieu du marécage, en roue libre. Passe bien, c'est cool. Ah merde, Bip s'est fait déboîter le cul. Dommage. Wow. Alors, okay. Ok. Attends. Il y a personne qui va s'occuper de Bip là, sérieux? Faut le mettre au lit, quoi. C'est la moindre des choses. Ça, et donc moi je voudrais c'est incinérer les cadavres.
sais pas comment ça marche. On peut le piller, le ramasser. Alors attends, faut peut-être que je le ramasse à la main. Je sais pas trop. Alors, Nini. Oh, oh, il y a du sang. Non, c'est pas du sang. Oh, ils sont agressifs, non? Non, non, ils m'ont vu, mais ils sont pas agressifs, ces trucs-là. Sauvegarde. Attends, eux, ils doivent être arrivés à destination, je pense. La paix c'est chiant, je veux du sang. Oui bah va chercher le sang de quelqu'un d'autre, fous-moi la paix. Alors on est où ici? Je vois pas pourquoi je peux pas. Là ça clignote, hein. On voit bien qu'il y a du. Ouh, katana sans garde. Ah, on fait voir. 1,15. Ah ouais, d'accord. Beaucoup mieux que le mien. Il se vend 6 000. Hein. C'est pas du tout ce que je suis venu chercher par contre. Labo infesté, d'accord. Carburant, barre d'acier, engrenage, kit de réparation, outils. Oh bah attends, tu m'as pas fait venir juste pour ça, sérieux? Bah écoute. Manifestement, il m'a fait venir juste pour ça. Alors, dis-moi tout. J'ai toujours besoin de recruter 2-3 humains, enfin un ou deux plutôt. 2-3 ça va faire beaucoup. Donc là on a une tour. Ce serait bien d'avoir une vue aérienne de la ville, je pense. Ah, il a un petit peu de thune, lui.
Normalement, il va tout me prendre, voilà. Alors, qu'est-ce que t'as à vendre, mon ami? Des cartes que je connais déjà. Chasseur de tech, labos anciens. Ok. Bibliothèque perdue. Donc ça, c'est des cartes hein, qui vont m'indiquer sur ma carte des choses potentiellement intéressantes. Utile. Ok, bah c'est cool. Donc, écoute, moi j'ai fait le plein de tech. Ça, c'est des armures, je crois, mais on n'achète pas des armures. J'ai l'impression qu'il y a plus de malus que de bonus sur les armures, en fait. Allez, retour à la zizanie. On va lire nos cartes. Ah, donc là il y a une ruine, c'est un laboratoire infesté. Enfin, une autre ici. Le problème c'est qu'en fait ça va disparaître après. Et c'est reparti pour Nini. Ok, bon, sur ce les amis, je vais vous laisser là pour cet épisode. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, posez les questions qui vous intéressent. Je t'ai dit pause, abouti, à demain, des bisous.